Dis donc ce soir, l'eschatologie, on continue. Et on était donc dans ce grand chapitre qui concerne le retour du Seigneur. Et après donc la réalité du retour du Seigneur, puis l'enlèvement d'Église, il y a un autre point très important qui est en relation avec ce retour du Seigneur, et qui est la résurrection des justes, très exactement. En fait, il aurait été d'ailleurs plus logique de placer la résurrection avant l'enlèvement de l'Église, parce que chronologiquement, elle la précède. Nous lisons ça d'une manière très claire. Nous lisons d'une manière très claire dans la première aux Corinthiens, chapitre 15, que Paul dit que les vivants ne précéderont pas ceux qui sont morts, mais que un signal donné à la voix de l'archange, le chauffard retentira, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous, les vivants, restés pour son avènement, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, l'apôtre veut souligner le fait que les vivants, qui sont quand même relativement privilégiés par rapport aux morts, ne seront pas prioritaires sur eux, mais l'inverse, précisément, les morts qui auront payé plus, si j'ose dire, eh bien, auront le privilège d'être les premiers intéressés par ce qui se passera alors. Et somme toute, la résurrection des morts est le grand événement de la parousie, du retour de Jésus. D'ailleurs, ça, c'est tout à fait conforme avec la tradition juive, je vais y venir dans un instant, et l'enlèvement de l'Église, la transformation des vivants, n'est qu'un avatar de la résurrection des morts. Et si Paul s'attarde relativement longuement sur cette question dans les deux passages que sont la première aux Corinthiens, la fin du chapitre 15 et les deux épîtres aux Thessaloniciens, c'est parce que, justement, les chrétiens vivants de son temps se posaient la question, résurrection des morts, c'est l'espérance d'Israël. Bon. Mais si nous sommes vivants quand le Seigneur reviendra, quand le Messie viendra, comment allons-nous pouvoir avoir part à la résurrection des morts? Avoir part à la résurrection des morts, pour le juif, c'est son espoir le plus grand. Bon. Donc, si nous sommes vivants, comment allons-nous pouvoir participer à la résurrection des morts? Alors Paul dit, finalement, il y a, comment pourrait-on dire, un événement qui est une sorte de résurrection, finalement, et qui intéresse justement ceux qui seront vivants, et qui alors, sans avoir besoin de passer par la mort, passeront finalement par une sorte de résurrection, transformation de leur corps, mais c'est finalement un peu ça. Bien. La résurrection des morts, c'est quelque chose dont le Nouveau Testament nous parle beaucoup, dans les évangiles d'abord. Jésus y fait de nombreuses allusions. C'est ensuite le centre même de l'évangile, puisque l'évangile se résume à cette affirmation selon Paul, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et il est ressuscité pour notre justification selon les Écritures. Et puis, dans la première aux Corinthiens, il déclare ceci, « Si le Messie n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. » Par conséquent, la résurrection est le fait central, aussi bien du judaïsme que du christianisme. Il nous est dit dans le livre des Actes, à plusieurs reprises, que les apôtres rendaient témoignage avec puissance de la résurrection de Jésus.
Ça veut dire que si l'on devait résumer la prédication des apôtres après la Pentecôte, c'est le message de la résurrection de Jésus. D'ailleurs, si on reprend les premiers discours qui sont cités dans le livre des Actes, qui sont rapportés dans le livre des Actes, acte 2 d'abord, on nous rend compte qu'effectivement, tout est centré sur la question de la résurrection de Jésus. Pierre cite le psaume 16, « Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption », etc. Et il en donne le midrash, il en donne l'explication, en l'appliquant à Jésus, en en faisant un pécheur, comme on dit en hébreu. Bon, le deuxième discours après la guérison du paralytique de la belle porte, lui aussi tourne autour de la résurrection. Et pour cette raison, les disciples sont arrêtés par les gens du temple qui sont des Sadducéens et qui, eux, ne croient pas à la résurrection. Paul résume sa prédication aussi devant le roi Agrippa en disant qu'il n'a rien fait contre la religion de ses pères, contre le judaïsme, parce qu'il n'a fait que prêcher ce qu'espèrent nos 12 tribus qui servent Dieu jour et nuit, à savoir que Dieu ressuscite les morts. Et lorsqu'il est traduit devant le Sanhédrin, il déclare « C'est pour l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis aujourd'hui en jugement devant vous. » Ce qui provoque un beau tumulte entre pharisiens et sadducéens, précisément qui sont divisés sur cette question de la résurrection des morts. Aujourd'hui encore, la notion de résurrection est centrale dans le judaïsme. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le judaïsme interdit l'incinération, contrairement à ce que faisaient les Romains. Entre parenthèses, ça nous aide à comprendre aussi le scandale que représente pour un juif le fait des 6 millions qui ont été brûlés dans des fours crématoires. Bon. Alors, quelle est donc justement cette doctrine de la résurrection ? La résurrection, d'abord, on pourrait dire dans l'Ancien Testament. La résurrection dans l'Ancien Testament n'apparaît pas beaucoup, d'une manière en tout cas explicite. C'est la raison pour laquelle il y avait dans le judaïsme de la fin du deuxième temple des gens qui ne croyaient pas à la résurrection, notamment justement les Sadducéens. Pourtant, la résurrection des morts, l'espérance de la résurrection, apparaît clairement exprimé, un siècle et demi avant Jésus-Christ, un peu plus, dans le deuxième livre des Maccabées. L'époque maccabéenne est une époque de persécution, comme on le sait, de martyrs, de gens qui acceptent de mourir pour, comme on dit en hébreu, la sanctification du nom de Dieu. Donc, qui accepte de mourir en martyr. Et le deuxième livre des Maccabées explique pour les générations futures pourquoi ces gens ont accepté la mort. Parce que, dit le livre des Maccabées, et vous retrouvez ça dans l'épître aux Hébreux, ils attendaient une meilleure résurrection. Ils attendaient la résurrection des morts. Ils espéraient avoir part à cette résurrection des morts. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas beaucoup de textes qui se réfèrent à l'au-delà. L'Ancien Testament, la Torah, pour parler d'elle essentiellement, est une Torah de vie. C'est-à-dire que celui qui met ces choses en pratique vivra par elles, vivra dans ce monde-ci. C'est une règle de vie. Et par conséquent, la Torah ne s'interroge pas beaucoup sur ce qui advient après la mort, ce qui arrive aux morts. Ça ne veut pas dire que les hommes de cette époque-là n'avaient pas leur petite idée sur la question. Et la Torah, en agissant de cette manière, réagit contre
ce qui se passait en Égypte. L'Égypte ancienne, dont le peuple d'Israël est sorti, vous le savez, était un pays où la religion était essentiellement fondée sur la mort. Les morts avaient presque plus d'importance que les vivants. Et c'est ainsi que les vivants passaient essentiellement une partie de leur vie à construire des maisons pour les morts. Il a fallu des dizaines d'années pour construire les fameuses pyramides. Et la religion égyptienne avait élaboré, au contraire de la Bible, toute une grande théorie de la vie après la mort. Bon, l'idée que le ka, c'est-à-dire l'âme, en égyptien, reste lié au corps matériel. De sorte que pour qu'il puisse y avoir une survie dans l'au-delà, il faut que le corps subsiste, le corps matériel ne soit pas détruit. D'où la momification qui, au départ, n'intéressait que les rois, parce que seuls les rois étaient considérés comme étant d'essence divine. Puis ensuite, à l'époque du Nouvel Empire, le commun des mortels, c'est le cas de le dire, a souhaité lui aussi avoir part à l'immortalité, et par conséquent, il y a eu une démocratisation de la pratique de l'embaumement. Bon, il y avait différents types d'embaumement, évidemment, il y avait des embaumements qui étaient beaucoup plus coûteux que d'autres, donc beaucoup plus efficaces que d'autres, mais finalement, tout le monde finissait par se faire embaumer. Donc, le but était la survie dans l'au-delà. Mais il n'était pas question de résurrection, il n'était pas question de revivre dans un corps. C'était survivre dans l'au-delà, finalement. Et le culte des morts était devenu prépondérant dans la religion égyptienne. Et lorsque Moïse donne la Torah, il se garde de parler justement de domaine de la mort parce que le peuple d'Israël a besoin, pourrait-on dire, d'une véritable cure de désintoxication par rapport à ce culte des morts auquel il a été habitué en Égypte. Par contre, ce que fait Moïse, c'est d'interdire justement le culte des morts sous toutes ses formes. D'interdire de toucher au domaine de la mort, qui est le domaine de l'impureté par excellence. Dieu est le Dieu vivant. Et comme le dira plus tard Jésus, il est le Dieu des vivants, car pour lui tous sont vivants. Donc il n'est pas question d'avoir un culte des morts, ni quoi que ce soit de semblable. Et tout ce qui doit toucher à la mort dans l'Ancien Testament doit être le plus discret possible. Maiment, quand on fait des fouilles archéologiques, on se rend compte que les Hébreux avaient l'habitude d'offrir des offrandes à leurs morts, de les enterrer avec des objets familiers, des poteries, des bijoux, des armes, voire parfois de la nourriture. Ce qui prouve, d'une manière certaine, que les Hébreux avaient foi dans une certaine survie de l'âme, certaine survie du mort, survie dont ils ne cernaient pas très bien le contour. Et ceci justement parce que, Dieu étant le Dieu de la vie, il était impossible que la mort ait le dernier mot. Et l'expression « shalom », la paix, qui vient de la racine « shalem », c'est-à-dire « perfection », dans le contexte de cette réparation de la brisure dont nous avons parlé quand nous évoquons justement la Kabbale, mais qui est beaucoup plus ancienne, qu'on trouve dans la Bible elle-même finalement, impliquait ce que les apôtres appelleront justement dans les discours qui touchent autour de la résurrection, le rétablissement de toutes choses. Le rétablissement de toute chose, c'est le tikkun olam. Si on retraduit ça en hébreu, c'est tikkun olam. Réparation de la brisure. Donc, ce qui était au commencement sera à nouveau manifesté. Et quand on lit les prophètes, alors c'est déjà beaucoup plus explicite que dans la Torah. Chez les prophètes, bon, vous avez des textes qui vont être cités, par exemple, dans le Nouveau Testament, pour appuyer la doctrine de la résurrection. Par exemple, un certain nombre
de textes des psaumes, qui sont considérés à leur manière aussi comme des textes prophétiques. Psaume 16, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Psaume 73, tu me recevras dans ta gloire. Job, Job 19, mon rédempteur est vivant, je le verrai de mes yeux, etc. Dans ma chair. Là, on est dans un des textes les plus anciens de l'Ancien Testament, justement. Je le verrai dans ma chair. La doctrine de la résurrection n'est pas explicitée, mais elle est là, tout entière. Dans ma chair, ça veut dire pas désincarné, justement, mais bien incarné. Bon. Et puis, évidemment, on trouve ça aussi déjà chez Ésaïe, Ésaïe 24. Dieu prépare sur cette montagne un festin de mets succulents, et sur cette montagne, il anéantit le voile qui recouvre tous les peuples. Dieu anéantit la mort pour toujours. Alors que mes morts revivent, que les cadavres sortent de la poussière. On a déjà donc ici des textes qui sont beaucoup plus explicites et qui laissent entendre une résurrection. Et c'est intéressant de voir qu'à cette période-là, où justement cette doctrine devient plus explicite, le mode de sépulture change. C'est l'époque royale au cours de laquelle, lorsque quelqu'un meurt, on le dépose dans un tombeau creusé dans le roc, ou une grotte naturelle d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle une espèce de reposoir, qui est un lit de pierre. Et lorsque la chair a été décomposée, on rassemble les os. Jusqu'à cette époque-là, les os étaient ensuite placés dans une espèce de fosse commune, où étaient tous les os de la famille, en quelque sorte, pour qu'on puisse ensuite réutiliser la tombe, bien sûr, pour des nouvelles sépultures. D'où l'expression biblique « être rassemblé à ses pères », pour désigner la mort. À partir de l'époque royale, de l'époque classique, au lieu de mettre les ossements en vrac dans une fosse commune, on les met dans des ossuaires. Des ossuaires, ce sont des espèces de petites urnes en terre cuite ou en pierre taillée, qui sont des urnes individuelles. C'est plus collectif, c'est individuel. Et en général, il y a le nom du défunt dessus. Ça prouve quoi? Ça prouve, si vous voulez, que là, on attend quelque chose. On attend une manifestation qui fera qu'il faut que chacun ait sa sépulture individuelle, c'est-à-dire ait l'intégrité de son être physique. Et des gens comme Yadine voit dans cette nouvelle coutume un pas nouveau, justement, dans l'élaboration de la doctrine de la résurrection des morts. Maintenant, quand on fait de l'archéologie, il y a un autre élément tout à fait intéressant qu'on trouve au niveau, justement, des rites funéraires, c'est ce qu'on trouve aux aurores de l'humanité dans ce qui, jusqu'à l'heure actuelle, est la plus vieille ville du monde, Jéricho. Dans la couche la plus ancienne de Jéricho, qu'on appelle Jéricho 9 et Jéricho 8, qui date donc de l'époque néolithique, découvert des crânes qui, une fois que la chair a été décomposée, on a remodelé sur le crâne avec de la terre les traits du défunt. Et ensuite, le cadavre, le squelette, ou le cadavre ainsi reconstitué finalement en terre, a été réenterré, en général, sous la maison. Les sols étaient en terre battue, et c'était donc très facile d'enterrer donc ainsi le propriétaire de la maison sous sa maison. Ça lui permettait justement, d'une part, de ne pas être trop dépaysé dans l'au-delà, il était encore chez lui. Et puis, deuxièmement, cette manière de remodeler le visage du défunt sur le crâne, eh bien, était un rappel de ce qu'a fait le Créateur au commencement. Il a formé l'homme du limon de la terre, nous est-il dit,
Et quand cela a été fait, il a soufflé dans ses narines un souffle de vie, et là, l'homme est devenu un être vivant. Et pour Yadine, les habitants de Jéricho 9, donc aux toutes aurores de l'humanité, là on est tout à fait au commencement, encore avant Sumer, si vous voulez, avant les civilisations les plus anciennes, eh bien les hommes de cette période-là avaient foi dans la résurrection des morts, et ils anticipaient, en remodelant eux-mêmes, si vous voulez, le corps de leur disparu, attendant le jour où à nouveau Dieu soufflerait un souffle de vie dans les narines de ces gens. Donc, l'espérance de la résurrection des morts est quelque chose d'extrêmement ancien. Dans l'Ancien Testament, elle apparaît explicitement, alors cette fois-ci totalement élaborée, dans le livre du prophète Daniel. Daniel 12, alors on va relire ce texte, hein, parce qu'il est fondamental. Il est à la base justement de toute la théologie du Nouveau Testament sur la résurrection des morts. Donc en relation avec les temps de la fin. Dans ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, celui qui tient bon faveur de ton peuple. Ce sera un temps d'affliction tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. Et voilà le texte important. En ce temps-là, ton peuple échappera. Quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Ah, le livre ici, qu'est-ce que c'est ? Ben, le livre, justement, il y a des questions déjà dans l'Ancien Testament et notamment dans la Torah. Au moment de l'affaire du veau d'or, Moïse prie. Vous savez, Dieu dit à Moïse, je vais anéantir ce peuple et je ferai de toi un grand peuple. Et Moïse intercède en faveur du peuple et lui dit, si tu ne veux pas pardonner à ce peuple, alors efface-moi du livre que tu as écrit. Et lui répond, c'est celui qui est infidèle que j'effacerai du livre que j'ai écrit. Quel est ce livre? Le livre de vie que nous retrouvons dans l'Apocalypse, qui justement est la promesse de la vie éternelle. Donc, certains sont écrits dans le livre, et on retrouve aussi ce livre à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. J'ai plus les références exactes en tête, mais enfin, il apparaît plusieurs fois, ce fameux livre de vie. Et il ne faut pas oublier cette intuition très juste qu'ont les Juifs, à savoir qu'à côté du texte écrit de la Bible, il y avait une tradition orale. Une tradition orale dont on trouve des réminiscences dans les Midrashim, justement. Et les Midrashim, comme j'ai eu l'occasion de le voir avec un spécialiste de la question, sont souvent des récits qui remontent très, très, très loin par la tradition orale, parfois même qui sont contemporains des textes qu'ils expliquent et qui nous montrent comment les gens qui ont reçu ces textes les ont compris. Ça ne veut pas dire qu'ils sont inspirés, ça ne veut pas dire qu'il faut les recevoir comme parole d'évangile, mais ça veut dire que parfois ils jettent un éclairage très important. Or, ces midrashim, c'est très clair, n'est-ce pas? Ici, bon, le livre, la notion du livre, elle apparaît dans de très très nombreux midrashim. Livre de vie, livre sur lequel le Seigneur inscrit. On trouve ça, par exemple, aussi au moment du rituel de Kippour. À Kippour, les livres sont ouverts, le livre de vie est ouvert. Et on a l'occasion, si par exemple on est un criminel, un méchant, un vaurien, il suffit de se repentir avant l'année Ila, c'est-à-dire avant la sonnerie du chauffard qui marque la fin du Kippour. Et puis Dieu qui ouvre à ce moment-là les livres peut très bien vous inscrire dans le livre de vie. A l'inverse, si vous êtes inscrit dans le livre de vie mais que vous conduisez comme un schnappant, il est fort possible que Dieu, à Kippour, ouvre le livre et puis vous efface. Et c'est la raison pour laquelle, entre Rosh Hashanah et Kippour, pendant les 10 jours terribles, qui sont ceux qu'on vit actuellement, et bien nommés d'ailleurs, pour ce qui est du peuple d'Israël, hélas, eh bien, on se souhaite Hatima Tova, une bonne signature, c'est-à-dire, puisses-tu être inscrit dans le livre de vie ? Vous savez que Jésus reprend cette formule quand les disciples reviennent d'avoir chassé les démons.
Jésus dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais plutôt de ce que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Donc ici, ceux qui sont inscrits dans le livre, beaucoup de ceux qui dorment, donc de ceux qui sont morts, et c'est l'expression que Paul reprend d'ailleurs dans les Thessaloniciens, je ne veux pas que vous affligiez au sujet de ceux qui dorment. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et pour l'abjection éternelle. Ceux qui auront été clairvoyants resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste, et ceux qui auront saigné la justice à multitude comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Voilà, ici c'est très clair. La résurrection est affirmée d'une manière explicite. Et ce texte va être d'un grand secours aux Asmonéens pendant la révolte des Maccabées, comme on l'a vu tout à l'heure. Et les descendants des Chassidim vont en faire la pierre de touche de leur foi. Il y a l'idée, à l'époque des Maccabées, et que vous trouvez ensuite dans tous les apocryphes, notamment les apocryphes d'Enoch, qui sont écrits à cette période-là, que la résurrection des morts sera contemporaine de la venue du Messie. Comment le Messie sera-t-il reconnu? Par quel signe se fera-t-il reconnaître? Finalement, c'est la grande question qui se pose à la fin de l'époque du Second Temple, quand on se met à attendre d'une manière ardente la venue du Messie. On voit ça dans le Nouveau Testament. Comme tout le peuple était dans l'attente et se demandait si Jean-Baptiste n'était pas lui-même le Messie. Et quand Jésus laisse entendre qu'il est le Messie, on lui demande « Quel signe nous donnes-tu pour montrer que tu es le Messie ?» Alors finalement, le Messie est celui qui accomplit les événements derniers. Quels sont les événements derniers? Le rassemblement des exilés d'Israël, la reconstruction de Jérusalem et du Temple. Et enfin, la résurrection des morts et l'établissement du royaume de Dieu. Voilà ce qu'est le programme messianique. Et c'est la raison pour laquelle aussi, aujourd'hui, Jésus est contesté par les Juifs en tant que Messie, parce qu'on dit « Jésus n'a pas accompli ce programme ». Or, le Nouveau Testament nous répond « si Jésus a accompli ce programme ». Rassemblement, ou enfin, il n'a peut-être pas encore entièrement accompli, mais enfin, il est en voie d'accomplissement, pour le moins. Rassemblement des exilés, Jean l'affirme. Jésus devait mourir pour rassembler en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. Nous ne devons pas oublier qu'à l'époque de Jésus, le peuple d'Israël était dispersé. L'essentiel du peuple juif vivait non pas dans la terre d'Israël, mais dans la diaspora. Vous avez ça dans le livre des Actes. Les adorateurs qui étaient venus à Jérusalem, puis ont cité toutes les nations d'où ils viennent. Alors vous avez des gens qui disent, qui ne se rendent pas compte que tous ces gens-là étaient des juifs. C'était des juifs qui habitaient en diaspora. Il y avait tellement de juifs dans la diaspora que quand Paul allait n'importe où dans le monde, il trouvait toujours une synagogue là où il était pour y prêcher l'évangile. Donc il y avait des juifs partout. Jacques dit ça aussi dans Acte 15. Moïse a dans toutes les villes aujourd'hui des gens qui le prêchent. Mais cette situation de diaspora était considérée comme une situation anormale. Un jour viendrait où tous les gens de cette diaspora seraient rassemblés sur la terre d'Israël par le Messie, selon ce qui est écrit dans Ézéchiel 37, rassemblement des ossements desséchés. Alors voyez-vous, je fais une parenthèse ici, la bêtise que font bien des prédicateurs chrétiens qui nous disent « Jérusalem, les Juifs ont été dispersés comme résultat de la mort de Jésus. » Un Juif qui connaît un petit peu l'histoire, quand il entend ça, il rigole. Parce qu'il sait qu'à l'époque de Jésus, il y avait déjà 500 ans que les Juifs étaient dispersés. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Bon, je ferme la parenthèse. Or, dit Jean, de fait, Jésus, par sa mort,
rassemblera en un seul corps les enfants de Dieu dispersés, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Et pas seulement cela, dit Jean. Il devait mourir non seulement pour rassembler ainsi, mais Jésus avait dit aussi, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas cette bergerie, je viendrai, il faudra que je les rassemble, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Et Jésus annonce ici qu'il accomplira par ce moyen l'espérance d'Israël. Or, quand l'apôtre Paul nous parle de cette résurrection des morts et de l'enlèvement de l'Église, il dit un mot très important. 2 Thessaloniciens 2. Pour ce qui est de l'avènement du Seigneur, et maintenant écoutez bien ça, et de notre rassemblement avec lui. Et vous avez ça aussi dans Matthieu 24, la vision, la fin de la vision de la parousie, du retour de Jésus. Vous allez voir tout de suite comment c'est intéressant. Voilà. Verset 31. Il enverra ses anges, le Messie, hein, avec le chauffard retentissant, et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis d'une extrémité de la terre à l'autre. Alors ici, il y a un rassemblement qui sera contemporain de la venue de Jésus, de son retour, de son avènement. Tous les enfants de Dieu dispersés sur la terre, et pas seulement ceux du peuple d'Israël, seront rassemblés dans la Jérusalem céleste. Et en même temps dans la Jérusalem terrestre, parce qu'ils reviennent avec lui. On est bien ici dans ce que les prophètes ont annoncé. C'est tout à fait cohérent. Deuxièmement, le Messie reconstruit le temple. Et justement, c'est une question qu'on pose à Jésus, Jean 2. Quel signe nous donnes-tu pour manifester que tu es le Messie ? Détruisez ce temple, dit Jésus, et en 3 jours je le reconstruis. Et on lui dit, mais enfin, il a fallu 46 ans pour construire ce temple. Et Jean dit, les disciples eux-mêmes n'avaient pas compris qu'il parlait du temple de son corps. Mais après sa résurrection, ils se ressouvinrent qu'il leur avait dit ces choses. Donc, reconstruction du temple. Et finalement, tous ces deux éléments, rassemblement et reconstruction du temple, tournent autour du point central annoncé par Daniel, la résurrection. La résurrection, c'est évidemment la chose importante, parce que la résurrection, c'est comme le dira l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, la destruction du dernier ennemi, la victoire sur le dernier ennemi. Et par conséquent, quand la mort est vaincue, plus rien ne s'oppose au rétablissement de toutes choses. Rétablissement de toutes choses que l'apôtre Paul décrit dans Romains 8, à la fin justement de toute cette grande fresque où il a dépeint justement la manifestation du salut en Jésus-Christ. Et voilà ce qu'il nous dit. Verset 19 du chapitre 8, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création était soumise à la vanité, ça veut dire à la caducité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis, c'est-à-dire l'homme, par son péché. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude, de la corruption, de la mort, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » C'est une notion très, très juive. Révélée Mashiach, les souffrances de l'enfantement messianique. Le règne du Messie viendra dans la souffrance
et on a ça dans Daniel, tout à l'heure on l'a lu, un temps d'angoisse comme il n'y en a jamais eu. Donc la création, c'est pas seulement l'homme, mais c'est la nature tout entière qui est intéressée par ces souffrances de l'enfantement messianique. D'ailleurs, les prophètes décrivent ce temps par des convulsions cosmiques, les montagnes qui se renversent, les rochers qui tombent, les étoiles, le soleil qui donne plus sa lumière, etc. C'est un temps où les puissances des cieux sont ébranlées, comme dira l'apôtre Paul aussi. Donc, la création souffle les douleurs d'enfantement. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance, mais ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore, etc., etc. Donc, ici, la résurrection mettra fin à ces soupirs de la création, à cette brisure du monde, à cette disharmonie qu'il y a dans le monde pour rétablir justement l'harmonie totale, le shalom, la shlemout, la perfection. Or, justement, dit l'apôtre Paul, et ça c'est le point central de sa théologie et de toute la théologie de l'Ancien, de le Nouveau Testament, elle est essentielle, il faut bien la comprendre. L'événement eschatologique attendu est arrivé. C'est ce qu'il dit à Agrippa. Je suis mis en jugement à cause de l'espérance après laquelle soupirent nuit et jour nos 12 tribus qui servent Dieu, à savoir que Dieu ressuscite les morts. La résurrection des morts est arrivée, oui. Parce que Jésus est ressuscité des morts. Déjà, quelqu'un est ressuscité des morts. Alors on dira, mais dans l'Ancien Testament aussi, il y en a qui sont ressuscités des morts. Il y a eu le fils de la Tsunamite qui a été ressuscité par Élisée, il y a eu le fils de la veuve de Sarepta qui l'a été par Élie, etc. Oui, mais ils sont... C'était une réanimation, ce n'était pas véritablement une résurrection. Ils sont morts à nouveau, ces gens-là. Mais Jésus est ressuscité pour ne plus mourir, pour passer au travers du voile. Et ça, quand on lit Guiton, on le comprend. Passer au travers de ce mur-là, ce mur de planque dont il nous parle. Et déjà, donc, l'événement eschatologique est arrivé. Oui, mais les autres morts? Ah, c'est la question des Corinthiens. Et oui, mais nos morts à nous, ils ne ressuscitent pas. Attention, dit Paul. Il y a une chronologie dans l'événement de la résurrection des morts. Et ça, c'est classique dans les prophéties. La prophétie ne voit pas, ne décrit pas l'événement, ou plutôt le voit sur le même plan, au point de vue temps. Les morts ressuscitent, point. Ah, dit l'apôtre Paul, oui, bien sûr. Mais ce que le prophète n'avait pas vu et qui nous a été révélé à nous maintenant, parce que justement nous sommes dans l'événement, c'est que chacun ressuscite en son rang. 1 Corinthiens 15. Le Messie, comme les prémices de ceux qui sont morts, de telle sorte que potentiellement en lui tous ressuscitent. Et c'est pourquoi Paul termine son propos par cet hymne à la victoire. Ô mort, où est ton aiguillon, n'est-ce pas? Sépulcre, où est ta victoire? Et citant d'ailleurs un texte d'Ésaïe, là aussi. Mais sur le plan de la chronologie, entre la résurrection du Messie et la résurrection de ceux qui sont à lui, il y a un certain temps qui s'écoule. Et le temps de cette résurrection, de cette deuxième résurrection, si j'ose dire, eh bien, c'est l'apparition du Messie, dit l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 15, et dans les deux épîtres aux Thessaloniciens, il le décrit comme ça.
le retour de Jésus, son apparition, sera le signe de la résurrection des morts, mais pas de tous les morts, encore une fois. La résurrection des morts annoncée par Daniel s'accomplit en trois temps. Premièrement, le Messie. Deuxièmement, ceux qui sont en lui, et que l'Écriture appelle la résurrection d'entre les morts. Ou encore, si vous voulez, si on traduit directement du grec, la hors-résurrection. Cette résurrection, Paul l'évoque aux Philippiens, quand il dit « pour avoir part, si je suis, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts ». Vous savez ça dans l'Apocalypse aussi, et l'Apocalypse dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ». Ça ne veut pas dire « Tout le monde aura part à la première résurrection ». Seuls ceux qui auront vécu une vie pure, sainte, finalement, seuls ceux qui auraient été dignes d'être enlevés, si Jésus était revenu de leur vivant, participeront à la première résurrection. Et la seconde mort n'a plus de pouvoir sur eux. Cela, ils entrent dans le salut de Dieu. Et puis, à la fin, on voit ça dans l'Apocalypse, et Paul le laisse entendre, tous les morts ressuscitent, petits et grands. Et ils ressuscitent pour un jugement. Les livres sont ouverts, et là nous retrouvons ces fameux livres, n'est-ce pas ? Où sont écrits, on trouve ça aussi dans Daniel 7, les livres, où sont écrits, cette fois-ci, c'est plus le livre de vie, mais ce sont les livres où sont écrits les actions des uns et des autres. Et ce sont ces témoignages écrits qui servent de base à ce jugement. Car contrairement à la hors-résurrection, à laquelle participent ceux qui ont cru, et qui sont sauvés sur la base de la grâce, de l'œuvre de Jésus, puisque Jésus est leur justice. Ils ressuscitent en lui, ils sont en lui. Déjà, dit l'apôtre Paul, parce qu'il est ressuscité, nous sommes déjà ressuscités, potentiellement. C'est déjà fait, c'est pas encore, mais c'est déjà. Et il dit, en espérance, nous sommes déjà ressuscités. Mais pour ceux qui ont part à la troisième résurrection, parce que l'Apocalypse appelle la deuxième, c'est-à-dire, si on exclut la résurrection de Jésus, c'est la deuxième. Alors ceux-là sont jugés selon leurs œuvres. Non plus sur la base de la grâce, du salut qui est en Jésus-Christ, mais sur la base de leurs œuvres. Quiconque ne fut pas inscrit, n'en trouvait inscrit dans le livre, et jeté dans les temps de feu et de souffle sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Alors, voilà ici justement... Comment se situe cette question de la résurrection dans la Bible? Maintenant, il y a une autre question très importante qui se pose, et qui se posait pour les Corinthiens. Et cette question est la suivante. Qu'est-ce qu'il faut entendre par résurrection? S'agit-il de la réanimation du cadavre, ou bien de la survie de l'âme? Et pour les Corinthiens, c'était une question très importante, parce qu'il n'était pas de culture juive. Pour le juif, la résurrection ne faisait pas problème. Comme le dit l'apôtre Paul, nos 12 tribus aspirent à ça nuit et jour. Elles attendent nuit et jour. D'ailleurs, aujourd'hui encore, les prières quotidiennes disent cela, n'est-ce pas ? Appelle à ce que la résurrection des morts arrive de notre temps. Bien. Mais les Juifs étaient les seuls à avoir cette idée de la résurrection des morts. Dans le monde romain de l'époque, c'était une absurdité. Pourquoi ? Parce que le monde romain était marqué par un autre courant de pensée qui était la philosophie grecque. Et la philosophie grecque, notamment celle de Platon, avait élaboré une toute autre idée. Platon
Je ne sais pas si vous connaissez cet apologue qu'il a écrit qui s'appelle La Caverne. Platon imagine l'homme, le monde, comme un endroit où des hommes sont en prison dans une caverne. Et là, ils ont le dos tourné vers le mur de la caverne, ils ne peuvent pas regarder vers l'entrée de la caverne. Alors, bon, il y a des choses qui passent, il y a une lumière qui passe là-bas, alors ils voient des ombres sur le fond de la caverne. Et tout ce qu'ils peuvent voir, c'est des ombres. Ils ne voient jamais la réalité, parce qu'ils sont prisonniers au fond de cette caverne. Puis de temps en temps, ben, il y en a un qui est libéré de cette caverne, qui sort de la caverne, et puis qui voit les choses telles qu'elles sont. C'est en gros, si vous voulez, l'idée que Platon se faisait de l'existence humaine. Platon avait cette idée qu'il existait au-delà du monde sensible, du monde matériel, le monde des purs esprits et des pures idées, qui était le monde véritable. Mais que l'homme prisonnier dans un corps matériel était comme dans cette caverne, incapable de voir la réalité. Prisonnier. Pourquoi ? Parce qu'il était prisonnier de la matière. Et l'homme n'est libéré de sa prison qu'à la mort. La mort est une délivrance, parce que la mort permet à l'homme de rejoindre le domaine des purs esprits. Et là, notamment l'esprit des sages, des philosophes, atteint le plus haut degré de contemplation possible, et donc vit dans une éternité bienheureuse. Bon. Alors, vous comprenez que si, vraiment, la matière, donc le corps est mauvais, dire ensuite que le comble de la félicité, c'est que cette âme qui a enfin été désincarné, qui a rejoint le monde des purs esprits, doit revenir dans un corps. Alors, non, c'est impensable. Et vous avez là l'explication d'un certain nombre de textes qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Par exemple, quand Paul vient à Athènes, il s'entretient avec les philosophes grecs. Stoïciens et épicuriens, qui, quels qu'ils soient, ont cette idée. Des platoniciennes. Et ils écoutent Paul aussi longtemps qu'il leur parle de choses générales, mais quand il parle de la résurrection des morts en Jésus, ce dont il a donné la preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts, ils se moquent de Paul. Et Paul, plus tard, dira à Agrippa, qui est quand même, bien que juif, et avec le gouverneur romain qui lui est totalement imbu de philosophie, vous semble-t-il étonnant que Dieu ressuscite les morts? Et de fait, pour les Grecs, la résurrection des morts, c'est impensable. Et c'est là justement que la Bible s'inscrit en faux contre la mentalité grecque. La Bible dit « la matière, c'est pas mauvais ». Obligatoirement. Ça peut le devenir si le péché s'en mêle. Mais fondamentalement, c'est pas mauvais. La matière a été créée par Dieu. Donc, tout ce qui sort des mains du Créateur est bon. Et s'il est vrai que pour un temps, la matière est marquée par le péché, donc le corps de l'homme, la victoire du Seigneur ne peut pas être complète si la matière elle-même, et nous avons lu tout à l'heure dans Romains, si la création matérielle elle-même ne participe pas à la rédemption. Et ça, Guiton le montre aussi. Il montre que tout ce qui est dans l'univers est marqué par la caducité, par la mort. Même si ça mettra des milliards de milliards d'années à disparaître, ça disparaîtra. Et ça, c'est pas normal, dit la Bible. Alors il faut que ce qui est mortel soit englouti dans la victoire, dit l'apôtre Paul. Il faut que ce qui est caduque atteigne justement à l'immortalité. Et ça aussi, Guiton laisse entendre que c'est le but de l'univers. Un jour, l'univers passera dans une autre réalité, dans une autre dimension. C'est ce qu'il explique. Tu as lu ça? Et avec Bible en main, nous pouvons dire c'est cette dimension de l'éternité où le sens des choses apparaîtra, même de celles qui semblaient n'en avoir aucun.
alors la matière n'est pas mauvaise. Et parce que la matière n'est pas mauvaise, eh bien, il y aura résurrection. Rassemblement de la partie spirituelle de l'être humain, son âme, et puis de son corps. Et vous voyez combien le christianisme, le catholicisme en particulier, mais y compris le protestantisme, sont marqués par la philosophie grecque. Et on parle encore dans les milieux catholiques de l'âme immortelle. C'est une notion platonicienne. L'âme immortelle. L'âme peut connaître la seconde mort si elle se détourne de Jésus-Christ. La Bible ne dit pas cela. Et on oppose, dans une certaine théologie chrétienne à courte vue, l'immortalité de l'âme qu'on confond avec l'existence éternelle. Et puis, la résurrection. Alors, ça nous explique aussi une autre chose. Pourquoi les Corinthiens avaient des problèmes avec la résurrection des morts. Ils disaient, nous, la survie de l'âme, ça nous suffit. La survie de l'âme au paradis, ça nous suffit. Pourquoi ressusciter? Pourquoi retrouver un corps? L'apôtre Paul dit, parce que il faut que le dernier ennemi soit vaincu, c'est la mort. Et tant que la mort n'est pas vaincue, le triomphe du Seigneur, sa gloire, n'est pas totale. Oui, mais quel corps, disent les Corinthiens. Moi, j'ai mal au bras, j'ai une jambe en moins, je suis vieux, je suis comme ci, je suis comme ça. Pas tellement envie de ressusciter comme ça. Hein. Mais non, me dit Paul, il n'en est pas question. Il y aura une transformation, une métamorphose, c'est le mot qu'il emploie, métamorphosis de ce corps. Et il prend l'exemple, il dit, tu jettes une graine dans la terre, ce qui va sortir, c'est quelque chose de tout à fait différent. Et si tu n'es pas spécialiste de la botanique, tu vois une fleur, et tu vois une graine à côté, et on te dit, ceci c'est ça. Ça n'a aucun rapport. Si, c'est un rapport. Ça, c'est sorti de ça. Ben oui. C'est différent. Et pourtant, il y a une continuité. Et Paul nous dit, entre la création matérielle et la création spirituelle, attention aux mots, nous sommes imbus de philosophie grecque. Et quand nous disons spirituel, à cause de Platon, même si nous ne connaissons pas Platon, nous disons immatériel. Mais quand Paul dit corps spirituel, il ne dit pas corps immatériel. Spirituel dans la Bible, ça veut dire ce qui vient d'en haut, et terrestre ce qui vient d'en bas. Il y a un corps terrestre, et il y a un corps spirituel. Ça veut dire qu'il vient d'en haut, mais ça ne veut pas dire qu'il est immatériel. Regardez le corps de Jésus. Le corps de Jésus, il pouvait le toucher. Et Thomas pouvait mettre ses mains dans les marques de ses clous, dans son côté. Ils ont reconnu que c'était Jésus. Et pourtant, le corps de Jésus, il avait des propriétés extraordinaires. Il se déplaçait à une vitesse extraordinaire. Il pouvait passer au travers des murs, des portes fermées. Il était là, il paraissait, il disparaissait. Il mangeait, Jésus. On lui a donné à manger un poisson pour montrer qu'il n'était pas justement un esprit. Il n'était pas immatériel. Il a voulu le prouver. Les disciples, quand ils l'ont vu, croyaient que c'était un fantôme. Ils disent, non. Un fantôme n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Donc c'était bien un corps matériel, mais c'était un corps spirituel. C'est pas incompatible. Et en même temps, ce corps, il n'avait pas besoin de manger, il n'avait plus besoin. Il était au-delà de ses réalités terrestres. Et en même temps, il était différent de son corps. Marie-Madeleine ne l'a pas reconnu du premier coup. Les disciples d'Emmaüs ne l'ont pas reconnu, etc.
Quand Jean le voit dans l'Apocalypse, alors il le voit avec un corps glorifié, comme il l'avait vu d'ailleurs à la Transfiguration. C'est un corps qui est adapté à un autre mode d'existence, à une autre réalité. Et Paul fait l'opposition, si vous relisez 1 Corinthiens 15, on n'a pas le temps de le faire ce soir, mais vous relirez, le corps est semé méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé infirme, il ressuscite plein de force, etc. Il y a en même temps continuité et discontinuité. Ce n'est pas le même, à la limite ça n'a rien à voir, et pourtant il y a une continuité, comme entre la graine et la plante qui en sort. Comme entre la chenille et le papillon, on employait le mot métamorphosis. Qu'est-ce que c'est la métamorphose d'un insecte? Vous avez une chenille, pas très esthétique quand même, une chenille. Et puis cette chenille, soudain, elle entre dans son cocon. Et puis vous avez un splendide papillon qui sort du cocon. Je dis, mais c'est pas le même animal, c'est deux animaux différents quand même. Non, ce n'est pas deux animaux différents, c'est le même, à deux stades de son évolution. Mais il y a un monde entre ces deux animaux. Un est un misérable ver de terre qui rampe là comme ça et qui est incapable de s'élever. Et puis l'autre est un splendide papillon capable de voler, etc. Ben oui, il y a continuité et discontinuité. Alors ça nous explique les difficultés qu'avaient les Corinthiens. Paul dit attention. Si vous ne croyez pas à la résurrection, votre foi est vaine et vous êtes dans vos péchés. Hein. La foi dans la résurrection des morts, c'est la pierre de touche du christianisme. Mais alors, la survie, ben oui, il y a aussi survie. Survie de l'âme. On a vu ça au moment. Quand quelqu'un meurt, eh bien, s'il est en Christ, il va dans un lieu de paix, mais il attend quelque chose de meilleur. C'est déjà infiniment mieux que ce qui est dans le monde, mais ce n'est pas encore l'état parfait. Il y a encore quelque chose de mieux. Et nous voyons dans l'Apocalypse les âmes de ceux qui ont été décapités, qui sont sous le trône, et qui ont déjà des robes blanches, mais qui crient « Jusque à quand tarderas-tu ?» etc. Elles attendent, ces âmes, quelque chose de mieux. Alors, c'est très important, cette notion de résurrection des morts, parce que aujourd'hui aussi, ça pose problème, pour les mêmes raisons que pour les Corinthiens. Parce que notre civilisation moderne voit les choses aussi d'une manière... finalement grec, on continue à fonctionner au niveau de la pensée dans des catégories qui sont celles de l'hellénisme, ne serait-ce que par rapport à la notion de création. La non-création qui était finalement l'éternité de la matière, qui est la cosmologie, la cosmogonie des Grecs, sans aucune raison, sans aucune preuve, était celle des savants modernes, jusqu'à la découverte du Big Bang. Donc aussi, on continue à fonctionner dans les catégories de la philosophie grecque. Et maintenant, il y a une autre philosophie qui s'ajoute, c'est la philosophie orientale avec l'histoire de la réincarnation. Réincarnation, la Bible expédie en une phrase, et je ferai de même. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, il n'est pas question de réincarnation. Ce que nous attendons, c'est justement la résurrection des morts. Et cette résurrection, elle est certaine parce que, justement, Jésus est ressuscité des morts. Et cette résurrection des morts fait que toute l'économie du salut est changée, bouleversée. À partir de cet événement nouveau, il faut relire toute la révélation biblique. Et c'est ça, l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains est l'histoire du salut vue depuis ce point de vue-là. Voilà. En gros, ce que je veux dire ce soir... sur la résurrection des morts.